Alors, on va étudier un terme très, très riche de la langue française. Calice. Calice, qui est un accessoire liturgique de la religion catholique, mais qui devient autrement plus utile lorsque prononcé calice. On répète après moi, s'il vous plaît. Calice. Calice. Je dis qu'il devient utile parce que calice est un mot extrêmement polyvalent. Ainsi, utilisé comme substantif, il désigne un être extrêmement déplaisant. On répète après moi, s'il vous plaît. Un tel, c'est un calice. Un tel, c'est un calice. Transformé en verbe, il désigne une action menée avec une énergie appréciable. On répète après moi, s'il vous plaît. M'a te calissé mon poing sur la gueule. M'a te calissé mon poing sur la gueule. Par contre, transformé en verbe pronominal, il désigne un niveau d'indifférence non négligeable. On répète encore après moi. Je m'en calisse. Je m'en calisse. C'est très bien! Je suis fière de vous!